de mes cheveux. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test tout court. Puisqu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais me couper les cheveux. Oh oui! Et pour de vrai. Oh oui, 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 oui! Mes cheveux me saoulent depuis quelques temps. Ils sont pas spécialement abîmés, enfin un peu en bas, mais honnêtement, ça va. Mais ils me saoulent parce que à partir du moment où ils peuvent se caler sous mon aisselle et m'embêter comme ça, ça commence à m'énerver et c'est le cas en ce moment. Petite parenthèse, vous allez sans doute le remarquer, j'ai des racines de cheveux blancs de fou, c'est normal, je suis je pense à peu près poivre et sel et j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux naturels et d'essayer d'assumer mes cheveux blancs. J'ai dit essayer puisque si ça ne me plaît pas, je vais les recolorer. Mais si vous voyez des démarcations au fur et à mesure, eh bien voilà, vous saurez pourquoi. On fera un bilan d'ailleurs si je me les reteins ou pas. Je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Mais là, on parle coupage. Oui! J'ai donc étudié plein de vidéos sur comment se couper les cheveux. Bien sûr, sur des tutos YouTube, je suis pas sûre que ce soit très efficace. Mais bon, j'ai en face de moi une serviette, un miroir, je ne sais pas à quoi il va me servir, mais on ne sait jamais. Un ciseau de coiffure que je viens d'aller acheter. Ma brosse à cheveux, un peigne à queue et plein d'élastiques. Non, j'en ai besoin que de deux, mais dans le doute, j'ai tout pris. Alors, je voudrais me couper les cheveux légèrement en carré plongeant. Oui, en plus, je veux faire du style. Toujours plus. Je sens l'échec, j'ai mis le t-shirt approprié pour cette vidéo avec marqué « Oups !» Qu'est-ce que j'ai fait? Bon alors il fait clairement pas extrêmement chaud, mais j'ai extrêmement chaud de peur. Du coup j'ai mis un t-shirt. Donc, carré plongeant, à peu près à cette hauteur là je pense, à peu près vers là. Et si ça me plaît vraiment, dans quelques temps je couperai plus haut. Mais là on va y aller juste épaule en dessous épaule. Ok, ok, brossage. Les techniques que j'ai vues, c'était soit une queue de cheval qu'on se met là et ça fait un dégradé, mais moi je ne veux pas ça. C'était deux couettes, mais après derrière ça fait un V et moi je ne veux pas ça. Du coup, la technique que je vais utiliser, qui est d'après moi la plus compliquée, on adore, c'est me mettre les cheveux en arrière, me faire une queue de cheval, tirer et couper. Je sais pas pourquoi je fais ça. Alors, raie au milieu. Bon après c'est que des cheveux hein. Donc vous croyez que je dois me faire une raie au milieu? J'ai des racines. Vous allez vraiment voir, je suis vraiment poivre et sel hein, les amis. Alors là, nos make-up et nos couleurs, on est sous ton natural ma chérie hein. J'ai hésité à le faire sur cheveux mouillés, mais les cheveux mouillés après ça remonte. Donc je me suis dit non, mauvaise idée. Alors il faut savoir que moi j'ai tout le temps le même réflexe, je me laisse pousser les cheveux, je me laisse pousser les cheveux, je me laisse pousser les cheveux, ça me saoule, je me coupe les cheveux. Je fais tout le temps ça depuis des années, dès que j'ai les cheveux à peu près là ou là, je coupe tout d'un coup très court. Donc bah voilà, hein, vous vivez cette phase avec moi. De ce que j'ai vu, il laissait légèrement devant un peu long. Je m'explique, je sais pas si je mets derrière les oreilles ou pas. Voilà, toutes les questions qui se bousculent dans ma tête. J'ai pas de vidéo pour vérifier. Parce qu'elle dit c'est que des cheveux. C'est vraiment que des cheveux. Ah, je sais pas, j'ai très peur. Ça y est, le stress monte. Ok, j'ai mon téléphone, on peut revérifier. Se couper les cheveux carrés. Ok. Faire glisser l'élastique à la longueur souhaitée. Prévoir quelques centimètres de marge. Genre, ok, oui, je vais prévoir quelques centimètres de marge. Je suis censée glisser ça. J'ai aucune idée de la longueur. Est-ce que c'est ça comme longueur que je veux? Un peu plus long, non? Est-ce que je suis pas du tout droite? Voilà, ça commence déjà. En gros, je veux que c'est... ça commence déjà. On refait! Aussi, Pascaline, c'est pas possible, faut pas faire ça seule. Tu fais ça avec une copine, comme tout le monde. Un soir où t'as un peu bu. Pas sur une vidéo YouTube. Je baisse. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Est-ce que ça paraît bien? C'est légèrement chlouk chlouk là. On coupe. Oh la fille, sans transition aucune, bonjour. Je remets une couette. Voilà. Et puis je vais tirer. Et je dois couper là. On coupe? Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait? Et ça se brebarre. Je vérifie.
Alors, je sais pas si vous me voyez. Ouh. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mon miroir est dégueulasse. Ça m'a l'air pas trop mal. YOLO, je coupe. Je suis au bon endroit. Trop tard, j'ai commencé. Je dois couper complètement pas droit. C'est complètement n'importe quoi là, le pompon que je viens de faire. N'est-ce pas? On est d'accord que j'ai coupé n'importe comment, regardez-moi ça. On va essayer de rectifier l'histoire. C'est l'histoire. Oh là là, je fais n'importe quoi. Mais c'est dur, je vois rien. C'est là que tu me dis pourquoi tu fais des... Ok. C'est un peu un choc. Très chelou. Ok. Et bah c'est... Ah ouais, c'est coupé vraiment comme un boucher. Je vais avoir une coupe complètement, mais vraiment comme un boucher. C'est-à-dire que c'est... Ah oui, j'en ai même coupé l'élastique. Bon. Et bah ça, c'est fait. J'ai dû faire n'importe quoi. C'est peut-être un epic fail de YouTube. Bon, j'ai coupé. Je suis contente d'avoir coupé. C'est très bizarre de voir mes cheveux en dehors de ma tête. Ça va leur faire un bien fou par contre. Ok, on détache. J'ai fait ça n'importe comment. Oh. Ok, on détache. Oh putain, la race. Allez, on détache. J'ai du mal. Bon. Oh là là, ça me rajeunit tellement. Bon, alors. Est-ce que j'ai à peu près un petit carré plongeant? C'est moins catastrophique que ce que j'avais prévu. Ce que je ferais bien, c'est me laver les cheveux. Parce que je sais pas comment je suis derrière non plus. Hein. Derrière, ça doit être... Oh là là, c'est court. Oh là là, c'est court. Alors, parce qu'il faudra que je le fais sur cheveux sales. Oh, j'aime bien. Excusez-moi, là je suis en mode j'apprends à découvrir mon visage là. Donc oui, je vous disais, je le fais sur cheveux sales. Ce que j'aurais bien fait, c'est me laver les cheveux, me refaire une raie au milieu, me les lisser vraiment vraiment pour voir les dégâts. Parce que là, c'est de la merde à des endroits, on le sait, on le sait. Mais je crois que c'est légèrement plongeant, non? Ça va quand même? Je vais faire ça. Je vais me laver les cheveux, me les sécher. Oh là là, c'est trop bizarre. Ceci dit, j'aime beaucoup. Hein. J'ai bien fait de me couper les cheveux, je pense. C'était une bonne idée. Par contre, qu'est-ce que j'ai comme masse? Oh là là, regardez-moi ça. Donc, j'arrête pas de me regarder. Je suis désolée, je vous regarde pas du tout. Hein. J'ai pas de retour écran. C'est ça, c'est mon miroir, mon retour écran. Allez me laver les cheveux, me les sécher, lisser. Et on va faire les retouches ensemble. Parti. Je fais professionnel. C'est faux. C'est pas si catastrophique. J'ai peur de faire plus de bêtises en faisant ça qu'autre chose. Je suis désolée à tous les coiffeurs qui regardent ma vidéo. Rip, rip à votre métier, les amis. J'ai envie de faire un dégradé. Toujours plus. La meuf s'invente coiffeuse en 2 heures. Ah là, si, là, il y a une quick. Ah oui, là, il y a une quick kick. Ou une quick kick. Je fais n'importe quoi. Ça, c'est moi avec des ciseaux. C'est le danger, moi, avec des ciseaux, j'ai envie de couper. Quand on reste chez un coiffeur et qu'à chaque fois il a envie de couper, ben je comprends. C'est hyper grisant de couper. Bon alors, j'ai un dégradé là, donc je devrais pas en tenir compte. Voilà. J'aurais bien aimé regarder derrière, mais j'ai plus de miroir, car je me suis assise dessus. Ça va, non? Pour dégrader, faut pas faire un truc comme ça, là. Je m'invente coiffeuse en 2 minutes, bonjour. Attends, si je vais faire n'importe quoi, les coiffeurs ils vont me détester là. Peut-être que je suis douée hein, pour être coiffeuse. Peut-être pas aussi, hein. Je sais pas, du tout. Ça paraît très logique, mais bon. On essaye? C'est un dégradé inutile. Allez! Je sais pas du tout si ce que je fais c'est bien. Je me suis séché les cheveux, je me les suis bouclés n'importe comment.
Donc on verra bien comment ils vont évoluer. Ils sont tout doux, ça leur a fait trop du bien. Voilà le résultat final. Alors moi je suis plutôt du style à flipper mes cheveux comme ça. Donc je pense que je ferai régulièrement une petite coiffure un peu sur le côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, si vous n'aimez pas, je ne recolle pas mes cheveux malheureusement. Donc voilà le résultat final. Écoutez, je me regarde dans le miroir, hein, m'en veuillez pas. Mais perso, bah, j'aime bien. Je trouve que ça m'allège, que c'est un peu plus frais, que c'est un peu plus décontracté. Alors, et un peu plus travaillé quand même, mine de rien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve que c'est pas trop un epic fail. Bon, on repassera pour le côté carré plongeant. J'essaierai de le retravailler dès que mes cheveux ont poussé. Et je vous tiens au courant de la repousse de mes cheveux blancs. On va voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo un peu moins hardcore, j'espère. Salut! Qu'est-ce que je fais? Ouch. Bah, je viens d'exploser mon miroir avec mes fesses. Et bien, et puis je me suis bien enfoncé un bout de verre. Vite, vite. Échec. Si ça te fait ça toi aussi, tes pansements, t'arrives pas à les ouvrir.